Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour cette septième vidéo de découverte des maps de la Trackmania Cup 2022. Nous allons tester la map Better Ice Mythic Edition et je crains le pire. Ice, et en regardant l'image, va y avoir de la glace. Je déteste la glace, je suis nul dessus. Ça promet d'être bien galère, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Allez, en avant. Pour la souffrance de cette map. Ok. Et là, je sens que ça va être la galère de fou. Voilà. Là, il faudra aller tellement vite sur ce virage-là. Oh non, pas un boost, je déteste ça. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Cette partie-là qui me fait peur. Bon, bah, on a atterri au milieu. Ça, on n'a pas beaucoup de vitesse donc ça va. Encore un boost, non. Oh la vache. Au secours! Ah, il fallait aller sur le côté là-bas. Ah! Non! En fait, l'idée c'est de faire. Et de faire un truc comme. Oula! Ah! Ok, des petits cactus. Ok. Une 48, médaille de bronze pour ce premier essai. Alors, on peut faire mieux, clairement. Maintenant qu'on a découvert la map, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus horrible que ça. Mais ça va. C'est juste la gestion ici, là. Ces doubles virages là qui me sortent par les yeux. Après, je suis pas un pro de la glace, donc. Ah oui! C'est un petit peu trop vite. Ça va, on va pouvoir accélérer. Je pense qu'on a perdu du temps à cause du reset. Ça va, le turbo, faut qu'on fasse attention. Là, on fait un truc comme ça. Oh putain, merde! C'est de faire un truc comme ça pour arriver là, donc de faire un tout droit. Alors, est-ce qu'on a battu notre temps ou pas? Oui, de 11 secondes. Allez, on peut encore faire mieux. Clairement, il y a encore de l'optimisation à faire en début. J'essaie d'attaquer un peu plus là. Je suis un peu plus confiant sur la glace. Donc là, on fait attention. Pas trop vite. Plutôt pas mal. Donc là, faut qu'on essaie de stabiliser et on fait un truc comme ça. Pour essayer de choper. Non! Oh, dommage. Dommage, dommage.
Je suis pas sûr que ça soit très intéressant de faire ça. C'est pas dégueu, mais... Ce petit saut, je pense qu'il faudrait que je l'évite. Ça me fait perdre du temps. Là, pareil, on accélère. J'allais presque trop. J'ai perdu pas mal de temps avec mon 360 bizarre. On est quand même en avance par rapport au temps prévu. Alors du coup, on va jouer la sécurité en faisant ça. Je sais pas ce qui est le mieux, à gauche ou à droite. Bien, on essaie de faire un truc comme ça. Comme on peut, hein. Non, ne retourne pas. Non. Bon, si, mais ça va. Ça va, on est safe. Non, pas le cactus. 15 secondes de mieux pour cette deuxième tentative. Médaille d'argent. Allez, on continue. Médaille d'or, voire même médaille de hauteur. Bon, même si sur la glace, je suis pas convaincu. C'était de la merde, ça. On va essayer de travailler un petit peu les trajectoires. Non. Je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Peur de rentrer un peu plus fort. Voilà, on a perdu du temps. Waouh, là je... Dès que j'accélère un peu trop, j'essaie de speeder. Pas convaincu. Voilà, on a perdu beaucoup de temps. Juste là. Il y a un petit truc à faire ici. Comme ça, c'est peut-être pas mal. Yes. Hop. Faites de garder la bonne trajectoire. Oh là. C'est très très bizarre ce qui s'est passé. J'étais à la limite de passer au-dessus. Non. J'essaye de trop accélérer et du coup en fait je dérape. Bon, l'entrée est régulée. Là, on fait à peu près pareil que tout à l'heure. Là, on fait pas le petit 3-6. Là, en termes de vitesse, on est bien. On est bien aussi. Le petit saut. On est bien, ça va. On slide, on se remet droit. On perd un peu de vitesse vu qu'on glisse. Non. Donc un truc comme ça. J'essaie de gérer. 5 secondes de mieux. Médaille d'or. Petit à petit, on y arrive. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compliqué avec de la glace. J'avais vraiment très très peur de galérer comme un fou. Au final, ça a l'air d'aller. Maintenant, je sais pas où est la médaille hauteur. Pas convaincu que ça soit le meilleur truc de faire ça. Là. Non, clairement pas.
a rattrapé un petit peu notre retard, mais pas des masses, des masses. J'ai franchement réussi un plutôt bon run. Voilà. Je tourne et je freine. Pas bon du tout. Je pense que j'ai peut-être fait mon meilleur run juste avant. Là. Je suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup mieux que ça. J'ai perdu énormément de points. Ouais, c'est pas mal ça, cette rentrée dans le virage là. C'est pas mal du tout ça même. C'est même très très propre. Putain, je me surprends à faire des trucs. Est-ce que j'ai vraiment perdu toute mon avance ou pas? Beaucoup. C'était plutôt pas mal ce truc. Hein. Alors, comme ça. Oh putain. Voilà. Attention. Deux secondes de mieux. Et la médaille d'auteur en faisant des trucs un peu chelou, bizarre. Bon, et ben on a la médaille auteur, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer? Honnêtement, il y a encore moyen. J'ai fait pas mal d'erreurs. Elle est cool cette map. Je la trouve vraiment pas mal. Elle est vraiment sympathique cette petite carte. J'ai perdu un peu de temps. Là du coup je vais en récupérer. Franchement mes entrées dans les virages étaient genre oufissime, clean et tout. J'ai perdu du temps. C'est beaucoup moins propre, j'ai perdu en vitesse. Ouais, de ouf. Ici j'ai fait un temps de taré tout à l'heure. Ah. Retournement, non. Ah, pousser, ça commence à être compliqué, hein. Mais je suis grave satisfait de ce que j'ai fait pour le moment. Je m'attendais vraiment pas à être capable de pouvoir proposer ce niveau-là. Au niveau de cette map-là, franchement. Satisfait de moi-même, voilà. Non. C'était moins propre. Franchement, cet enchaînement que j'ai fait tout à l'heure, c'était de toute beauté. Enfin, deux secondes que je perds sur cette partie-là, c'est tellement normal. Et donc là, ici, il faut que je me rattrape comme ça. Ici, on fait un truc comme ça. Non! Oh merde! C'était tellement bien parti! C'était tellement bien parti pour y arriver. Et au final, c'est un lampadaire qui m'arrête dans ma trajectoire. En fait, s'il faut pas sauter. Quoique, ça a payé là. C'était chaud. Hein. Je suis arrivé très très vite. Par contre, là, j'ai perdu de la vitesse. Une mauvaise position. Oh. Tellement j'ai fait une session parfaite ici, quoi. J'ai pas assez de vitesse. Je vais me manger le mur du milieu. Si j'ai pas de vitesse ici, c'est compliqué. C'est pas mal ça. J'essaie de pas trop perdre de vitesse en montant sur le bord. Pas trop dégueu ça.
se rattraper tant bien que mal. Ouais, ici, il faut que je fasse tant bien que mal. On vise comme ça. Non! Ah. Pas ouf. Parce que c'était si dégueulasse que ça. Non, ça va. Ah non! Oh, malheureux. Je crois qu'il suffit de faire ça. Et non. Ouais, c'est du test. Puis alors là, pour ça. Pour se retrouver ici, comment on fait quoi? C'est compliqué en fait, si on saute vraiment pas de ce côté-là, c'est extrêmement compliqué. Bon, on va s'arrêter là pour la découverte de Better Ice Mythic Edition. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et si vous souhaitez suivre l'aventure Trackmania et la découverte des nouvelles maps de cette version 2022, n'hésitez pas à vous abonner. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.